Good morning, Alaïda Nechusra aujourd'hui, Lélo Nishma, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucienne Batreina et Charlie Shlomo Ben Rachel. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Nedarim Perek Yud Mishnah Gimel. Nadra Vehi Arusa, Nidgarsha Bobayom, Nitarsa Bobayom, Afilu Lemea, Afilu Bala Haron, Meferim Nedareha. Zéaklal kol shelo yatzat lirshut atzma sha'achat, avia u ba'ala acharon meferin nedareha. On est sur le même principe, je rappelle donc très rapidement le principe de la Mishnah maintenant. Une jeune fille fiancée, Nahara Ameurasa, qui est fiancée. On avait dit Dina avec Yaakov et Shimon. On a deux personnes qui sont aptes à annuler. Capables, qui ont le droit d'annuler son néder, mais qui doivent nécessairement le faire ensemble. Dans la même journée, depuis le moment où il y en a un qui entendra le néder, dans la même journée, Fouclot, il entend le néder pour qu'il annule ensemble. D'accord? Donc Dina prononce le vœu de ne pas boire de coca pendant une semaine. Après 3 jours, son fiancé apprend qu'elle a fait ce néder et lui dit « je te l'annule ». Pour le moment, le néder n'est pas annulé, il doit vite courir voir son père et lui raconter. Et le père, il devra annuler dans la même journée. Inversement, si c'est le père qui prend connaissance du néder, il devra aller voir le fiancé pour qu'ensemble ils vont annuler le néder. Ils se concertent. C'est une forme de, comme on a dit, une forme d'association. C'est un peu délicat. L'agma, elle allonge beaucoup et dans les shiurim des rachis qui votent, on parle longuement pour définir c'est quoi ce principe très original, cette association très très particulière qu'il y a entre les deux. Pour notre propos, donc maintenant on va s'intéresser à quelque chose de très original. Il y a maintenant une jeune fille, on a Yaakov et Shimon. Un beau matin, Yaakov apprend que Dina, elle a fait le néder de ne pas boire de coca. Elle court voir Shimon, vite vite, parce qu'il faut annuler le néder ensemble. Et Shimon, quand il apprend qu'elle a bu du coca, hein, qu'elle a fait le néder en parlant du coca, il a dit « je la divorce », il a donné un guet. Bon, Yaakov était très embêté avec cette jeune fille, et il va maintenant, pendant qu'il est sur la route, il rencontre, Yehuda, qui lui dit « ah, ta fille elle a divorcé, bah, c'est pas grave, moi je te la prends ». Super. Après, il lui dit, mais tu sais, elle a fait un néder de ne pas boire du coca. Hein? Elle aussi? Allez, il leur donne un guet. Et ainsi de suite, il va voir, il va trouver ensuite Issachar, et il va lui marier la fille, il va la divorcer, et ainsi de suite. Quelle est la problématique de notre Mishnah? Qui va avoir la possibilité d'annuler le néder dans une situation pareille? Elle prononce le néder tant qu'elle est fiancée. Le père, pour le moment, il n'a pas annulé le néder, ou peu importe, c'est un peu délicat, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, pour le moment, je présente le principe général. Le père, il a son associé, c'est le fiancé. Le fiancé, il se défait. Au lieu de mourir, s'il était mort, le droit était revenu chez le père. En l'occurrence, le droit, pour le moment, il n'est pas, le mari n'est pas mort. Il a juste divorcé sa femme, sans annuler le néder. Alors maintenant, lorsque cette Dina va se fiancer avec quelqu'un d'autre, son nouveau mari va récupérer lui le droit de pouvoir annuler. Comme s'il y a 50% du néder qui est dans le droit du père de l'annuler, 50% dans le droit du fiancé. Mais peu importe qui est le fiancé, tant qu'il n'y a pas eu un mari, il n'y a personne qui a validé le néder pour le moment, il y a le père, il a annulé sa part, et maintenant on cherche c'est qui va annuler la deuxième part. Cette deuxième part, le mari divorce, son mari divorce, quelqu'un d'autre qui se remarie avec elle divorce, ben, tant qu'on est dans la même journée, même le centième mari, s'ils ont fait le coup pendant 100 fois, eh ben, il faudra un mari qui va annuler la part qui revient au fiancé. D'accord? C'est le principe de la Mishnah, c'est très simple. Regardez. Nadra vehi arosa, elle a prononcé le neder et elle est fiancée. Nidgarsha bobayom, elle a divorcé dans la même journée. Nitarsa bobayom, elle s'est refiancée dans la même journée. Vafilo lemea, et ainsi de suite, même 100 personnes, s'ils ont eu assez de minutes dans la journée pour le faire. Et bien dans ce cas-là, avia ubala acharon mefirin nedarea. Là, le père, en association avec le dernier fiancé, ils devront ensemble annuler ensemble le néder. C'est-à-dire le père, il annule sa part, et le fiancé, même dans le dernier, celui qui voudra, quoi, celui qui acceptera de le faire, même le dernier, il pourra, même le centième, il pourra annuler sa part. Zak l'altel à la généralité, kol shelo yatzat lirshut atzma sha'achat. Tant que la jeune fille n'est pas sortie un instant pour devenir indépendante. Ouais, elle n'est pas devenue pour le moment boguerette. Alors, avia ou baal, elle n'est pas devenue mourante, elle n'est pas devenue adulte, donc elle dépend pour le moment des grâces de son père et de son futur. Dans ce cas-là, avia ou baal, acharon mefirin nedera, le père et le dernier fiancé devront annuler ensemble le neder. Mais maintenant, ce n'est pas obligé d'attendre le dernier. S'il y a eu le cinquième qui a dit, allez, j'annule le coca.
Et après, il a divorce quand même parce qu'il y a autre chose. Alors, dans ce cas-là, ça y est, le neder, il était annulé parce que maintenant, on a eu deux, le père et le mari qui ont annulé le neder. C'est bon. Mais si, toutefois, il ne l'a pas encore fait, alors le dernier mari, il pourra encore continuer à le faire, comme ce qu'on expliquait. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Selah.